Hey la famille de Tata Zozo! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et welcome the déconfinement. S'il y a des variations de lumière, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait je filme en face de ma fenêtre. Voilà, c'est ma fenêtre. Voilà, et en fait ce que je voulais te dire, c'était qu'aujourd'hui j'étais partie me balader, j'étais partie faire un petit tour, donc toujours parce que obligée de sortir, pas non plus tomber aussi dans la paranoïa, sauf que franchement je suis sortie et légèrement envie de devenir paranoïaque. J'ai une copine qui a déménagé pas très très loin de chez moi, du coup bah c'est trop cool. Parce qu'en fait, elle est venue me chercher. On est parti chez Lidl et on est parti dans un magasin de déstock. Il faut absolument que je te montre un truc. Et tout ça pour vous dire aussi que j'ai trouvé ceci. Donc je suis remontée dans ma chambre. J'ai trouvé une coloration Eugène Color. Color et éclat, naturel, soin, nutritif, etc. etc. J'ai payé ça 2 euros. Voilà, ça ressemble à ceci. Color éclat. Je connais pas du tout cette marque. J'ai jamais testé. Donc ce que je te propose, bah, c'est qu'on aille le tester tout de suite ensemble. Donc la famille. On est de retour, on est dans la salle de bain. Tu auras reconnu le t-shirt. Je te mets la vidéo juste ici du jour où on a créé ce t-shirt pendant un tie and dye où on n'a rien respecté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester bah, cette fameuse coloration à 2 balles. Et pas que. On va mettre aujourd'hui au banc d'essai un shampoing. Je te rappelle, je te l'avais fait montrer dans mon dernier haul de chez Action. Et le shampoing, j'ai acheté un shampoing bleu de la marque Kera. Je l'ai trouvé. Donc en fait, c'est un shampoing déjaunisseur de la marque Kera. Donc ils disent que c'est recommandé par des coiffeurs manchots. Un coiffeur manchot au fufut. J'ai payé ceci 1,99€. Donc j'ai envie de te dire que voilà. Autant la coloration à 2€, le shampoing Louise. Je crois que j'ai payé 1 euro, genre 1,19€. Plus la coloration, ça 1,99€, ça 1,29€ et la coloration à 2 euros. Je peux te dire que là, on est sur un gros 5 euros de coiffure, ma soeur! On est sur un budget de 5 euros! Non mais sérieux! Cette chaîne a les moyens, sachez-le. Parce qu'en fait, moi, je suis en train de mettre ça à l'intérieur, quoi. Alors que, est-ce qu'il faut le faire? J'ai jamais vu qu'on mettait le soin directement à l'intérieur. Oh lolo, j'ai fait n'importe quoi encore comme d'habitude. Mais bien sûr, j'en ai marre, je te jure d'être comme ça, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, il y aura un peu de soin dans la coloration. J'ai mis le soin comme ça à l'intérieur du truc. En fait, ils mettent 1 plus 2 plus 3. Là, tout quoi. Non mais regardez les explications de... Voilà, ils ont mis ça. Bah en fait j'allais pas non. Ah ouais, j'ai mal compris. J'aurais dû mélanger les gants si c'était ça. J'aurais dû mettre les gants plus ça. Plus... Ah bah ouais. Les gens me disent oh, t'es trop marrante. Non mais tu savais que comme je suis conne aussi. Oh là là, bon c'est pas grave. Elle dit ça, elle va se retrouver sans cheveux. Tu vas voir, c'est pas grave. Tu vas voir, c'est pas grave. Tu vas le regretter. Non, mais franchement, sérieusement, personne normale entre vous, là, voilà, on discute. Tu vois, une coloration à 2 euros, je sais pas, t'as des signaux qui s'allument comme ça dans ton cerveau. Je t'ai même pas encore dit, en fait, la coloration que j'allais faire, c'est blond très très clair. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre, tu vois, comme ça. Là, 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 là. C'est la marque Handmade Color. Tes cheveux pour 2 euros. À un moment donné, ils disent préparation, bah, mettez les gants, rebouchez soigneusement le flacon. À quel moment on me dit ce que je dois mélanger? Eh ben, on me le dit. Fini, mid color, fini, zéro. Bon, bah, nous, faudrait peut-être que je me coiffe les cheveux. Je vais chercher ma brosse. Voilà, bon, après, moi, c'est juste pour mettre comme ça au-dessus. Le truc, il te t'explose à la tête. Oh là là, oh là là. Ouf. Ah, mais franchement, ça, c'est qui se coule, hein. C'est rempli d'ammoniaque, le truc. Bon, t'as bien compris que j'étais pas coiffeuse. Oh là là. Et franchement, l'ammoniaque, mais c'est pas possible. Je n'achèterai jamais cette coloration. Oh. Non, mais c'est Eugène Tumeur. Non, mais là, c'est sûr, je vais choper une conjonctivite. Hein. Ah là, je le sens, ça me pique. Hamid, 2 euros plus la conjonctivite. C'est cadeau, ma soeur, c'est cadeau. Oh là 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 là. J'ai pas mis de serviette. Donc là, en fait, sur mes racines, je vais faire un geste très technique. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas dolmon.
Voilà, je fais ça en fait. Je sais pas si vous voyez, mais... Oh. Tu vois là, je suis en train de pleurer. À croire que c'est pas mes cheveux, on les a prêtés. Donc là, je vais faire mousser comme ça. Hamid, je suis en train de m'embrouiller avec Hamid Color. C'est Camille. C'est 2 euros. T'as une conjonctivite. Mes cheveux, ça va être walou. Et je me retrouve avec des histoires avec mon mari. C'est génial. Achetez Hamid Color, achetez. Mais non, je fais une vidéo, je rigole. LOL. Alors, mon dos, il me gratte. Oh purée, mon dos, il me gratte. À mon avis, je vais avoir de la coloration. Hein. Mon cœur. Tu pourrais me revenir 2 secondes avec du sopalin? Parce que je crois que là, on est sur un gros problème. Non, est-ce que tu peux me nettoyer dans le dos? Tu vois, j'ai une tache de colo. Ouh là là, ça brûle. Une coloration à 2 euros. Comment tu fais pour respirer? T'as vu comme ça pue? Dis-le à mes abonnés que ça pue. Ça pue. Tu vois? Et je crois même que j'ai une conjonctivite. Ah ouais, mais c'est pas la conjonctivite là, c'est... Non mais si, mes yeux ils sont tout rouges et je là, crois... c'est Tchernobyl. Oh là là, je suis rouge. Ouais. Oh purée, Hamid, t'abuses. Ah ouais, 2 euros, heck 2 euros. Bon, comment te dire que mon dos me démange. J'ai mon œil, je sais pas si tu vas voir, mon œil il est rouge éclaté. Mais là on dirait que je me suis battue avec Mohamed Ali, ça a mis. Hamid, dites au revoir à Hamid, que vous ne reverrez plus jamais sur la chaîne. Je pense que je ne vais même pas tester le soin. Je me dis que s'ils n'ont pas eu honte de faire ça, voilà, ils n'auront aucune pitié aussi de me laminer les cheveux pour la fin, quoi. Tu vois, ils te terminent en beauté. Me revoilà, me revoilà. Alors oui, j'étais en train de vous dire que je pense que je fais une grosse allergie. Ça me gratte au niveau du cuir chevelu, mais ça me gratte aussi au niveau de ma peau, quoi, tout simplement. J'ai encore fait n'importe quoi. Je vais te parler déjà du shampoing et de l'après-shampoing. Je sais pas, on verra quand je les aurai séchés. Peut-être s'ils sont beaucoup plus lumineux. J'ai utilisé le shampoing dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un shampoing déjaunisseur de la marque Kera Science que j'ai trouvé chez Carrefour pour 1,99€. Oh là 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 là, ça me gratte. Excuse-moi, on dirait un chien qui a des puces. Ratini, laisse-moi tranquille là avec mes puces. Je trouve qu'il a bien déjauni mes cheveux. Je vais, de toute manière, je vais le voir quand je vais les sécher. Je suis choquée. Je suis choquée du prix. Il est très bien. Je trouve qu'il a pas trop asséché mes cheveux. Et je pense que la prochaine fois que je vais le réutiliser, je vais l'utiliser de la façon suivante. Je vais en mettre comme ça sur mes mains. Et je vais, tu vois, humidifier un tout petit peu mon cheveu. Je vais laisser poser comme ça, tu vois, le shampoing. Mais pas sous la douche. Je vais laisser poser ça 5 minutes et seulement après, j'irai me laver les cheveux. Je pense que ça va fonctionner du tonnerre. Voilà, là tout de suite, on va utiliser le sérum de chez Action. Alors, ce sérum, il me semble que je l'avais payé dans les 1€, peut-être 29, quelque chose comme ça. Donc, ils disent que c'est un sérum qui contient de l'huile d'argan que tu peux utiliser en fait sur tes pointes ou sur tes demi-longueurs. Et en fait, il assouplirait le cheveu. Là, j'aime trop le petit format. Donc, c'est un flacon Pompé. Voilà, voilà. On va en mettre comme ça. Et ils disent d'en mettre sur les longueurs, demi-longueurs. Coloration, mais comment je te la déconseille. Là, tu vois, mes cheveux, ils sont hyper, hyper rêches. Genre, tu vois, là, mes cheveux, ils sont encore plus secs que quand je fais des mèches. C'est pour t'expliquer le truc. Donc, ils disent qu'à l'intérieur, il y a de l'huile d'argan. Ça sent pas l'huile d'argan, mais ça sent quand même la beauté marocaine. Ah, ça sent bon. Super agréable, ça. Ça sentirait pas un peu la fleur d'oranger? Ça m'étonnerait, parce que j'aime pas trop la fleur d'oranger. C'était sur cheveux secs ou cheveux humides, le soin? Parce que du coup, vu qu'on fait n'importe quoi là sur cette vidéo, sur cette chaîne, c'est du n'importe quoi. On comprend même pas que les gens, ils cliquent sur la vidéo pour aller la voir. On comprend même pas qu'il y a des gens qui attendent ces vidéos. Donc, j'en peux plus de cette meuf. Je te jure, elle me sort par les trous de nez. De contact, j'ai compris. Aide à préparer les pointes. Aide à réparer les pointes fourchues et à les faire briller. Appliquer après avec parcimonie sur le cheveu séché. Avec parcimonie sur le cheveu séché. Ok. Bon, bah nous, on l'a appliqué sur cheveux mouillés. Et alors?
On est des thugs ici. Pire, j'aurai les cheveux gras. Je vais me sécher les cheveux. Bon, voilà, ils sont déjà presque secs. Et puis, je reviens tout de suite après. Je reviens. Bon, est-ce que je ressemble à la boîte à Hamid Color? Bon, voilà le résultat, les amis. J'ai fait des boucles. Mais je peux vous dire que mes cheveux, ils sont assez secs. Épuisée, ça m'a énervée. Là, je me dis que je vais devoir eh bien faire des soins à vie à mes cheveux. Après, le blond, il est joli. Il est un peu différent un peu partout, mais bon. Vu la façon dont j'ai appliqué le truc, mais dans l'ensemble, franchement, la couleur, elle est jolie. J'aime beaucoup, mais je le referai jamais. Je vais demander à mon mari ce qu'il en pense et vous allez avoir sa réaction en live. Mon cœur, tu peux venir, s'il te plaît? Regarde pas, ferme tes yeux. T'as fermé tes yeux? Ouais. Vas-y, rapproche-toi. Vas-y, encore. Encore. Fais attention, il y a la commode. Mmh. Ouais, rapproche-toi. Parce qu'il y a un peu bigleux, donc il se rapproche le plus près possible. J'ouvre à mes yeux. Vas-y, dis-moi. Une belle coloration qui pue, mais qui réussit bien. T'aimes bien? Ouais, c'est joli. C'est vrai que ça pue. Et ça fait pas trop Claude François? Non. Non. Je vais encore rester mariée. Partira pas, c'est pas prévu pour le moment. Encore eu peur, on a encore eu chaud la cacahuète. Par contre, je vais faire des bains d'huile, bains d'huile, bains d'huile, bains d'huile, bains d'huile. Ma famille chérie, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et surtout, à me laisser un commentaire pour me dire si t'as déjà essayé la coloration Handmade Color. Je vous fais de gros bisous. Ne changez rien, restez comme vous êtes. Et n'oublie pas, ce que les autres pensent de vous, on s'en fout.